Donc, bonjour, bonjour, bienvenue sur Scooter et Méca Boîte. Aujourd'hui, vidéo, voiture sans permis. Pas la mienne. La voiture d'un ami. Il y a eu un petit accident avec. Enfin, son fils. Il y a eu un petit accident avec. Je suis censé remplacer le triangle de direction. Enfin, le triangle de suspension et la rotule inférieure de suspension. Je vais vous montrer un truc sur la rotule. J'ai déjà fait le, j'ai déjà fait le montage de la rotule, mais je vais vous montrer un truc qu'il faut pour tous ceux qui voudront acheter une rotule de, de, de suspension. Là, c'est sur une Chatney CH26, mais elle n'est pas montée que sur cette voiture là. Ça sera peut-être pas pareil sur la, la même. Là, c'est une Chatney CH26 de 2011. Et je vais vous montrer un truc, un truc qui nous, qui n'était pas marqué sur le site internet quand j'ai commandé la rotule. Donc ça. C'est l'ancienne rotule. Alors ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Mais regardez bien. Déjà je vous montre l'état. Il y a du jeu. La petite problème, ça c'est la neuve. Et en fait, euh, ça c'était l'ancienne. Vous allez vite remarquer un truc si je vous mets de part en haut. Voilà. Alors en fait, là on ne voit pas parce que je l'ai monté, j'aurais dû faire avant. Il y a une bague sur la rotule. Et en fait, cette bague là n'est pas fournie avec la rotule neuve. Il faut la récupérer de cette rotule là de l'ancienne. Alors, ça pour le coup, je trouve ça un peu con. Alors, je sais pas si à la base c'est solidaire du, du train, enfin du moyeu ou quoi. Cette voiture là elle a fait un choc avant droit. Euh, enfin la taper dans un trottoir et euh, donc on, voilà le truc c'est qu'on moi quand j'ai eu la rotule neuve elle était fournie avec l'écrou, il n'y a pas la rondelle la rondelle euh, normalement vous avez cette rondelle là, là qui vient à l'intérieur côté cardan d'ailleurs merci Châtenay d'avoir mis euh, au niveau du cardan l'écrou parce qu'on est obligé de déposer le cardan pour pouvoir euh, défaire la rotule donc vous avez l'écrou qui est fourni la rondelle n'est pas fournie la Rondelle, vous allez me dire, c'est pas bien méchant. Par contre, euh, ils fournissent pas la bague, donc j'ai été obligé de la récupérer. J'ai un arrache rotule de suspension. Ça, il n'y a pas de problème pour sortir la, la rotule de la voiture. Il euh, n'y a pas de souci. Hein. Ça, ça vient au... la partie là, biseautée vient au niveau du moyeu. Par contre, il a fallu que je l'utilise pour retirer ça. Et du coup, pour retirer ça, il vous faut une clé plate de 14, euh, clé plate de 14 euh, pour pouvoir en fait vous prendre. Avoir de la matière pour prendre la pièce. Donc ça, c'est un peu con. Donc euh, c'est un petit peu con. Alors je ne sais pas si cette pièce-là à la base fait partie du moyeu ou de la rotule. Je vous avoue que j'en sais rien. J'ai bien revérifié sur le site si c'était bien la bonne rotule que j'avais commandée. Et effectivement, c'est bien la bonne rotule. Comme on peut voir, les trous, ils sont dans. Ils, les trous, l'anthrax. Si je vous mets les deux dans le, dans le bon sens, ça pourrait être mieux. L'anthrax est bon. La boule à l'arrière, j'ai regardé hein, avec le triangle, c'est bon aussi. Donc, euh, ouais, je sais pas, mais euh, bon, bah, voilà quoi. On n'en change qu'une parce que c'est à cause du choc qu'elle a lâché. Hein. Le gars n'avait pas beaucoup de budget, j'avais dit de changer les deux quand même. Normalement, c'est un peu comme les pneus, hein, les rotules ça change par paire. Hein, mais bon. Qui fait le moins fait le mieux, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà voilà quoi, donc en fait on se tape le même problème que sur les deux roues sur les voitures sans permis. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était euh, je vais regarder quand même un petit peu sur quel, quel véhicule est monté cette rotule. Donc cette rotule de suspension elle est montée sur euh, Châtenay CH26, CH28, CH30, CH32, Châtenay Pick-Up et Châtenay Sportevo. Donc Sportevo c'est la CH26 euh, Sportevo, le Pick Up, je sais pas c'est quoi. Donc, peut-être que vu que c'est monté sur plusieurs véhicules, ça change, mais ça aurait été quand même bien. Si c'est le cas, ça, pourrait, ça aurait quand même été bien que le site internet où j'ai commandé la rotule, à savoir pièce sans permis, euh, aurait pu au moins l'indiquer. Ils y sont pas rien parce que j'ai regardé sur les autres sites internet et c'est également pas indiqué non plus. Alors, soit cette pièce-là, elle est solidaire du moyeu, donc c'est pour ça que je ne vais pas critiquer pièce sans permis. C'est la première fois que je travaille sur cette voiture-là. Je ne sais pas si c'est une pièce qui est censée être, euh, être solidaire du, du moyeu ou quoi. Je, ça me paraîtrait un peu bizarre, mais peut-être. Peut-être c'est une pièce qui fait partie du moyeu et peut-être c'est une pièce aussi qui se change. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais euh, en tout cas, moi, quand je l'ai sortie, elle est sortie avec la rotule. Donc... Euh... Heureusement que je suis un petit peu démerdard et que j'ai au moins l'outillage pour sortir cette rotule parce que sinon, bah, j'étais baisé. Hein. Clairement, j'étais baisé. Donc voilà. Donc là, je vais me remettre dessus. Je vais changer le, le triangle de, de suspension parce qu'il est plié. Et euh, on ira faire un test après. J'irai faire un test après, voir si le niveau para, si c'est bon ou pas. Mais à mon avis, le para, il sera foiré. J'ai dit au gars, il a une rotule de direction côté conducteur qui bouge. Donc faut qu il faut qu'il change les deux rotules de direction quand même. Bon bah c'est tout pour cette vidéo les amis. Je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande LG Motorsport Racing et Mob11. Euh, Gotham 11 aussi. Euh, pour toutes questions, conseils sur les voitures sans permis, vous allez voir la chaîne YouTube Bruno Devine. Euh, Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de mon petit frère StreamX 2.0. J'ai pas mal de questions qu euh, techniques en ce moment. Je ne réponds pas parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois que je ne répondais plus aux questions. J'ai plus vraiment le temps de m'occuper de ça. J'ai même plus le temps en fait de... Là, j'ai une vidéo... La vidéo où je la tourne. Il y a déjà une vidéo de tournée qui n'est pas montée, qui est dans le PC que j'ai pas montée. Il y a une vidéo de tournée qui est encore dans le téléphone. Que j'ai n'ai pas exportée. Que... Enfin, que je pas expédié sur le PC et que j'ai pas monté. J'ai plus le temps, en fait. Donc voilà. On se dit à une prochaine.